الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Dans ce 4e hadith, le prophète, paix et salut sur lui, montre que dans le ventre de sa mère s'effectue le passage de l'homme d'une étape à une autre, l'écriture du moment de sa mort, ce qui lui sera accordé, et ce sera. Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, a dit: le messager de Dieu, paix et salut sur lui, nous a dit, lui qui est le véridique, le digne d'être cru, c'est-à-dire le véridique dans son parler et le digne d'être cru dans ce qu'il reçoit comme révélation divine. Il a en effet mis cette introduction, car les paroles qui suivront relèvent de l'invisible qu'on ne peut connaître que par une révélation divine. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. Ces versets du Coran et ce hadith montrent que la création de l'homme dans le ventre de sa mère se fait par 4 phases. La première phase, celle d'un simple liquide qui dure 40 jours. La deuxième phase, celle de l'adhérence qui dure 40 jours. La troisième phase, celle de la mâchure qui dure 40 jours. La 4e phase, c'est la dernière phase. Elle vient après avoir insufflé l'esprit en lui. On peut déduire de sa dite que le fœtus, avant 4 mois, ne peut pas être jugé comme étant un être humain. De ce fait, s'il tombe du ventre de sa mère avant d'accomplir les 4 mois, on ne le lavera pas, on ne l'enveloppera pas dans un linceul et on ne fera pas la prière mortuaire sur lui, car il n'est pas encore un être humain. Après 4 mois, l'esprit est insufflé en lui et il acquiert le statut d'un être humain vivant. S'il tombe après cela, on pratiquera sur lui les grandes ablutions, on l'enveloppera dans un linceul et on fera sur lui la prière mortuaire comme quelqu'un qui a accompli 9 mois dans le ventre de sa mère. Les utérus sont un ange qui leur est propre. Le prophète, paix et salut sur lui, a en effet dit: Dieu envoie ensuite l'ange, c'est-à-dire l'ange responsable des utérus. Les situations que vivra l'homme sont écrites alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, ce qui lui sera accordé, ses actions, le moment de sa mort, son sort misérable ou heureux. Dans Hadîth, on déduit la grande sagesse divine et que toute chose a auprès de Dieu un terme fixé et se trouve dans un écrit dans lequel rien n'est ajouté et rien n'est ôté. L'homme doit vivre constamment dans la crainte de Dieu et de son châtiment. Le messager de Dieu, paix et salut sur lui, a en effet informé que l'homme accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis l'écrit le précède. Il accomplit les actions des gens du feu et il entre dans le feu. Il ne convient pas que l'homme perde espoir, car il y a des gens qui ont commis des péchés pendant une longue période, mais à la fin de leur vie, Dieu leur a accordé la guidance. Si quelqu'un pose la question suivante, pour quelle raison Dieu abandonne-t-il celui qui accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis l'écrit le précède. Il accomplit alors les actions des gens du feu et il entre dans le feu? La réponse est que cet homme accomplit en réalité les actions des gens du paradis selon ce qui apparaît aux gens, sinon son fort intérieur est corrompu et son intention est mauvaise, ce qui fait que cette mauvaise intention prédomine, jusqu'à ce qu'il ait une mauvaise fin, que notre refuge soit en Dieu de cela, ainsi le passage du hadith suivant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis l'écrit le précède, il accomplit les actions des gens du feu et il entre dans le feu fait allusion à l'approche du moment de sa mort et non pas de son approche du paradis par ses actions.